président Vladimir Poutine est assuré de remporter, je cite, cette parodie d'élection. Des élections qui se tiennent en ce moment à Chypre, et le président sortant, Nikos Anastasiades, est arrivé en tête du premier tour. Il sera opposé le 4 février lors du second tour à Stavros Malas, un candidat indépendant soutenu par le parti de gauche AKEL, selon un sondage à la sortie des urnes. En France, la Seine continue de monter. Le fleuve devrait atteindre son pic de crue à Paris cette nuit. Il est actuellement de 4 mètres au-dessus de la normale. Les bateaux rouges interdits de navigation restent donc toujours à quai. Le sport avec les derniers quarts de finale du CHAN 2018. Aujourd'hui, deux matchs avec d'abord le Nigeria face à l'Angola. Le coup d'envoi devrait être donné d'ici quelques minutes. Et puis ce soir, la République démocratique du Congo affrontera la Libye. Le vainqueur de cette rencontre retrouvera le Maroc pour les... Tariq Rivan. Vous êtes sur Média, retrouvez maintenant la seconde partie. Radio Marjan. شارع البنك الشعبي او مدرسة البنك الشعبي. الطرق ديال الطريق ديال اللي كانت سيدي دريس دار مويكنا مستشفى محمد السادس اتجاه دابا حي غير شفاء. الساحة تحت الخضار والفواكه حقيقة ما كانش السوق، كان عشوائية، فايتة العشوائية بزاف. اللي كان السوق يمتد إلى الشارع الرئيسي رغم المساحة الشاسعة كانوا كيشتغلوا به. الطريق اللي كان كتعرف البلوكاج
L'ADN parle, Pilar n'est pas l'enfant caché du peintre. Tout cela, c'était des histoires. Des enfants d'Ali, en fait, il n'en a jamais eu. Mais les femmes, l'artiste catalan, oui, il en a eu et de très belles. C'est le monde artistique, c'est un milieu bohème. Il y a des intrigues, des imbroglios. Je vous demande maintenant de bien me suivre. Cela va devenir un peu compliqué. Dans la galaxie d'Ali, dans la famille d'Ali, je demande l'épouse. Elle s'appelle Gala Elena Ivanovna Yakonova, de son nom de jeune fille. Gala a eu un premier mariage avec un poète français, Paul Éluard. Ils se marient un an avant la fin de la guerre, en 1917. Puis les années 20, Gala pose comme modèle pour le peintre allemand Max Ernst. Elle devient son amante, tout en restant l'épouse de Paul Éluard. Le peintre va finir par s'installer chez eux. La relation triangulaire n'est absolument pas cachée. Elle se fait au grand jour. Chez les Éluard Ernst, on parle poésie en permanence, on parle en 1930. Elle va devenir l'unique modèle féminin et principal sujet d'inspiration du peintre catalan qui ne cesse de la magnifier, de la représenter comme un mythe vivant, une icône moderne. Dali disait d'elle, j'astiquais Gala pour la faire briller, la rendant la plus heureuse possible, la soignant mieux encore que moi-même, car sans elle, tout était fini. Pour Gala, Dali va acheter un château en 1968, celui de Pubol, en Catalogne. C'est aussi le moment où le peintre croise le chemin d'une autre femme, d'une créature sculpturale. C'est une vampe. Elle maintient le mystère sur son âge, sa date de naissance, Saigon, Hanoï ou Hong Kong. Elle est mannequin, elle a pour habitude de poser pour le couturier Paco Rabanne. Amanda Lear, c'est son nom, posera désormais pour Dali. Elle est fascinée par le peintre, une idylle va naître, leur relation va durer 15 ans. Amanda Lear est grande, athlétique, elle a une voix grave, et Dali est joueur. Pour susciter la curiosité, il aime raconter qu'Amanda Lear est en fait un homme. La rumeur est lancée, encore totalement inconnue, Amanda Lear comprend tout de suite le parti qu'elle peut en tirer. Une rumeur aussi sulfureuse soit-elle, marque les esprits. Ce bad buzz, elle va en faire son tremplin. Elle deviendra chanteuse, actrice et présentatrice de télévision en France, en Italie et en Allemagne. Amanda Lear, ou comment une bonne vieille rumeur permet d'accéder à la célébrité, elle en a fait une chanson. Et cette chanson, elle l'a appelée tout simplement La Rumeur. Il paraît qu'elle est folle. كاع خويا شويه خطيره بزاف.